why. Mes chers parents de Beaunois, je veux commencer par saluer très respectueusement nos rois qui sont là avec nous. Je vois Sa Majesté Nana Montanoué, président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, avec qui nous étions hier à Kumasi pour l'inauguration du siège de la chefferie de Kumasi. À ses côtés, je salue le roi de Mossou qui vient ici soutenir le roi de Beaunois, à qui j'adresse toute ma considération. Leur Majesté, je viens, au nom du président Alassane Ouattara, vous apporter la considération du gouvernement et vous dire un grand merci pour ce que vous avez fait pour que la situation se calme ici à Beaunois. Merci pour votre engagement personnel pour apaiser les cœurs. Et je vous engage à continuer pour le bonheur de mes frères et mes sœurs de Beaunois. Chère population, chers cadres, élus, députés, sénateurs et maires, je vous salue. Je salue également votre engagement, vos efforts de médiation pour que la paix revienne ici à Beaunois. Je salue particulièrement mon ami le maire Jean-Paul Amétier qui nous accueille cet après-midi et qui m'a accueilli il y a quelque temps quand j'étais venu l'année dernière au Popo Carnaval de Beaunois. Chère population, je vous remercie de votre accueil chaleureux. Je suis très heureux de voir que vous avez retrouvé un peu de sourire. Nous venons, au nom du gouvernement, avec les membres du gouvernement qui sont avec moi, vous apporter notre solidarité, notre compassion. Nous incliner devant la mémoire des disparus et dire notre yako à tous les blessés et à tous ceux qui ont perdu des biens. Quand dans un pays, dans notre pays, dans une région, il y a des événements graves où il y a mort d'homme, où il y a des blessés, le gouvernement doit être à vos côtés et c'est le sens de notre présence ici cet après-midi. Nous sommes là également pour vous conforter. Vous conforter pour que vous sachiez que le gouvernement pense à vous et que le gouvernement va prendre sa part pour vous aider à avoir le développement ici à Beaunois. Mais comme vous savez, pour avoir le développement, il faut la paix. Parce que la paix détruit le développement. C'est vrai aussi que le développement peut aider à la paix. Ce qui s'est passé est très grave. Nous devons tout faire, comme l'a dit le maire, pour que cela n'arrive plus jamais. Parce que Beaunois est un grand carrefour de brassage des peuples. Les populations se sont mêlées, se sont aimées. Il y en a qui vont à l'église. À l'église, on nous enseigne toujours. Aimons-nous les uns les autres. Quand on va à la mosquée, on nous dit la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Et comme on est croyant, Dieu ne nous regarde pas en fonction
pour notre couleur, notre religion, notre ethnie. Ils nous regardent tous comme ses enfants. Je veux qu'ici à Benoît, vous puissiez maintenir ce vivre ensemble, cette paix qui a été toujours quelque chose d'essentiel en Côte d'Ivoire. Chers jeunes, je suis également venu vous apporter un message. Un message, certes, du Premier ministre, un message de votre grand frère. Vous savez que je suis votre grand frère. Les jeunes, notre rôle, c'est de vous aider à avoir du travail. Le président Ouattara m'a nommé pour que moi, je m'occupe de la jeunesse. Il m'a nommé pour faire confiance à la jeunesse. Donc, mon travail, c'est de vous aider. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes, la vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue, ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire, oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses, ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. Et chers jeunes, vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, tous les partis ont gouverné. Chacun a gouverné. Donc, chacun connaît le système. Chacun connaît les contraintes. Donc, moi, je veux venir ici pour vous aider concrètement. Et faites-moi confiance. Je l'ai déjà dit, cette confiance que le président de la République me fait à moi, jeune, c'est une confiance que je veux partager avec vous. Et je vais réussir grâce à vous et avec vous. Mais pour ça, j'ai besoin d'une jeunesse unie qui travaille. Et moi, je vais vous donner des opportunités. Déjà, ici à Benoît, quand je suis venu pour le carnaval, j'avais demandé des fonds pour aider les jeunes à travailler. Avec le maire et les responsables, on va faire la liste. On va faire la liste des jeunes qui veulent travailler, des jeunes qui ont des projets, et nous allons financer concrètement ces projets. Et on va dire à la communauté, il y a 100 jeunes, il y a 200 jeunes à qui on a donné une chance, et voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Je veux que vous soyez solidaires. Vous savez, au nom, comme on dit, de certaines idées, on peut créer des problèmes entre les gens. Alors qu'à la base, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous les mêmes enfants de Dieu. Nous sommes tous les mêmes enfants de Benoît. Et si ça se passe bien à Benoît, c'est nous qui vivons bien. Nous n'avons pas intérêt. Et souvent, je peux vous le dire, le mal vient de loin, d'ailleurs. Nous savons, nous avons eu des renseignements, des fois, où des gens qui ne sont pas de Benoît
Dès qu'il y a une situation, ils disent on s'en va à Bona pour gâter. Mais gâtez chez vous. Il y a des gens qu'on a vus, ils sont venus à Bona que pour semer le désordre. Ils n'étaient pas de Bona. Ou ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Vous n'avez pas accepté ça. Vous ne devez pas accepter ça pour que vous puissiez vivre ensemble. Nous allons faire notre part en tant qu'État pour vous aider. Mais je vous demande aussi de nous aider, d'écouter vos guides religieux, d'écouter les chefs coutumiers. Cet encadrement-là, c'est important pour la paix ici. Je veux pouvoir compter sur vous les jeunes. J'aurais pu rester dans mon bureau pour dire, bon, il y a eu des problèmes à Bona, je ne fais rien, mais je suis venu ici pour vous montrer que je vous considère. Merci. Et cette considération-là, elle doit être réciproque. Si je quitte ici et demain, on me dit que vous battez encore, c'est comme si vous n'avez pas considéré ma venue ici. Donc je compte sur vous. Écoute à l'heure. Après cette cérémonie, je vais aller saluer un jeune qui s'appelle Kadjo Antoine dans sa maison. Parce qu'on m'a dit qu'il a protégé le commissaire. Il a accompagné le commissaire. Puisque je suis le roi. Parce qu'il sait que le commissaire est là pour le service public. C'est le jour où on vous agresse, vous avez besoin du commissaire. Vous avez besoin des policiers. Le jour où un bandit vous fait du mal, vous avez besoin des forces de sécurité. Donc les forces de sécurité, ce ne sont pas des forces ennemies. Elles sont là pour vous protéger. Je vais également parler à certains jeunes en dehors de la cérémonie pour que ces jeunes-là, qui sont des leaders d'opinion, puissent comprendre leur rôle. Quand on est un leader d'opinion, quand on est un leader de jeunesse, ce n'est pas pour faire, comme on dit dans leur jargon, c'est pas pour gâter. Au contraire, vous devez être responsable. Et vous devez tout faire pour que les nouvelles qui viennent de Bona soient des nouvelles de paix, des nouvelles de cohésion, des nouvelles de bonnes retrouvailles, des nouvelles de vivre ensemble. Ainsi, vous aurez mérité le nom et la fierté de votre région. Voilà le message que je voulais vous porter. Compassion du gouvernement. Yako du président de la République à tous. Notre soutien, notre solidarité. La ministre de la Solidarité viendra bientôt pour aider tous les blessés. Elle va aider les familles qui ont perdu des enfants. Et nous allons regarder la question des opérateurs économiques qui ont également eu des biens détruits. Nous serons à vos côtés pour vous aider. Je vous remercie pour votre mobilisation. Mais plus que d'être là aujourd'hui, je vous investis de la mission de passer le message de la paix dans votre maison, à votre voisin. Bona ne peut plus avoir encore ce genre de conflit. Dites-vous bien que la Côte d'Ivoire est très grande. Il y a plus de 200 communes. Il ne faut pas que les gens quittent ailleurs pour à chaque fois venir ici et faire des bagarres, des palabres à Bona. Je compte sur vous, Majesté. Je serai à vos côtés pour vous aider à mener à bien votre mission dans le prolongement de la vision du président Alassane Ouattara de donner un poids, une influence réelle au pouvoir de médiation des souverains et chefs coutumiers de notre pays. Merci, merci, merci beaucoup pour votre travail, votre contribution à la paix. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et très bientôt à Bona pour les célébrations de réjouissance
tels que le Popo Carnaval, ou des célébrations de réjouissance qui montrent qu'ici à Benoît, il y a la paix et il y a le bon vivre ensemble. Je vous remercie.